Voilà, vous m'en direz des nouvelles. Merci. Ah, et puis là, c'est du bio. Hein. Vous pouvez manger la croûte, il n'y a pas de souci. Et puis ça, c'est comme les femmes. Plus ça coule, plus c'est bon. Alors, comment ça se passe? Parfait. J'ai très bon. Hein, Jérôme? Jérôme, ça ne nous empêchera pas de mourir. Jérôme. Hey, il est drôlement crémeux, hein. Je m'en fous plein les poils. Je reviens tout de suite. Alors, comment ça se passe? Très très bien. Je pense que ça devrait lui plaire. Nous avons un ami prêtre qui désire changer son vin de messe. Oh. Ni trop bon, ni trop mauvais, ça sera l'idéal. Et comme on aime bien le mettre à l'aise, on va vous en prendre une caisse. Une caisse, très bien, c'est noté. Et la petite, elle va pas goûter? Oh non. Que le Seigneur la préserve des ravages de l'alcool. Que Dieu t'entende, ma chérie, que Dieu t'entende. Bon, ben c'est dommage. Écoutez, je vais vous chercher ça. Avant que je revienne, n'hésitez pas à faire un tour dans la cave. Hein. Vous êtes ici chez vous. Ça rappelle les confitures un petit peu de Tata Josie. Sens. Tu aimes? Putain, casse-toi là. Ah si. Ah bah si. Tu peux être avec moi 5 minutes là, hein? Un moment de partage. J'espère. Bouchez-vous le nez! Sortez pas! Ah. Oh, trop cool! Mais qu'est-ce qui se passe? Non mais faut qu'on se barre, vite là! Mais vous avez entendu ce qu'il a dit? Faut pas sortir d'ici, mon Dieu! Bah alors, qu'est-ce qui arrive là? La grenouille d'Obédité, elle a perdu la foi? Je vous permets pas, monsieur! Seuls les justes seront sauvés le jour du jugement dernier! Je me souviens juste de l'explosion, mais après plus rien. Ça fait combien de temps qu'on dort? Chérie, tu crois qu'on a loupé la messe? Maman, j'ai vraiment faim. Vous croyez qu'on peut sortir? Mais tu es fou, Jérôme. Le monsieur nous a dit de rester ici. Oui, mais c'est peut-être calmé dehors. On n'en sait rien. Hein, on n'a qu'à aller voir. Oh, à votre place, j'éviterai de faire ça. Vous êtes pas mort? Mais faut croire que le bio, ça conserve. Ne vous inquiétez pas. Vous êtes en sécurité ici. En tout cas, ça fait plaisir de pouvoir parler à quelqu'un parce que je commence à me sentir seul. Je m'appelle Damien. Nicole. Enchanté, Nicole. Enchanté. Je vous présente Wilfried. Dis bonjour, Wilfried. Wow! Wilfried! Ah, toujours aussi timide, hein? C'est un coulommier? Mais il s'est passé quoi exactement? Vous avez déjà entendu parler des essais nucléaires?
Ben, il semblerait que le gouvernement nous ait fait quelques cachotteries à ce sujet. C'est une blague ? Exactement, mon vieux. Une énorme blague. On est tous tombés dedans. Mais la fin n'est pas très rigolote. Ils ont merdé. Foiré. Ils ont chié dans la colle, Nicole. Petite erreur d'aiguillage et boum ! Et voilà le résultat. Condamnés à rester cloîtrés comme des rats en attendant que l'hiver nucléaire se dissipe. Et encore, on a eu de la chance de survivre. C'est affreux. Oh oui, c'est affreux. Ça fait combien de temps qu'on est enfermé ici ? J'en sais rien. Quelques jours, quelques semaines. Non mais c'est carrément pas possible, donc... Et pourtant c'est la vérité ! Je vous ai nourri la petite cuillère pendant tout ce temps. Ici, les vivres, c'est pas ce qui manque. Et le monsieur barbu, un peu fort, là, il est passé où ? Il se repose. Il est mort ? Non, il fait la sieste, juste là. C'est lui qui a raison. Faut économiser nos forces. Et sinon, vous comptez faire quoi ? Vous avez un plan ? J'ai été scout. Je fais très bien les nœuds de chaise. On pourrait appeler à l'aide ? Toutes les lignes de communication ont été détruites. Il vaut mieux rester ici et attendre, c'est encore ce qu'il y a de plus sage. Je vais prier pour nous tous. Oui. Ouais, carrément, c'est carrément le moment de faire ça, ouais. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. J'élèverai mes mains en ton nom, ensemble. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Ok, chiant ! Maintenant que vous êtes tous réveillés, on va fêter ça. Ça signifie quoi ? J'en sais strictement rien. Je trouve ça classe. À partir de maintenant, on va mettre en place des tours de garde. Je vais prendre les 3 premières heures, et vous, Nicole, vous prendrez le relais. Excusez-moi, mais y a rien qui vous gêne, là. Comment ça se fait que vos poils les aient poussés aussi vite et nous, non ? C'est normal. C'est les effets secondaires des retombées radioactives. J'ai été beaucoup plus exposé que vous. Désormais, on est une famille, un clan, une meute. Et dans chaque meute, il y a un chef, une personne digne de confiance. Très bien, on vous écoute. On fera tout ce que vous nous direz de faire. Je dirais que... il faut penser au futur, à l'avenir de l'humanité. On sait pas vraiment ce qui s'est passé là-haut, c'est vrai. Peut-être qu'on est les derniers survivants de notre espèce. Et forcément, viendra le jour où il faudra repeupler la planète. Qu'est-ce que vous faites, là ? Attention, hein. Parce que moi, quand ça part vite, hein. Je suis un sanguin, je suis bélier, hein. Tu vas rien, un peu plus du tout, Thomas. Je vais te crever. Hé, j'ai du réseau, hein. Hein ? Quoi ? T'as du réseau ? Votre magie n'a aucun pouvoir ici. Non mais ça fait que 2 heures qu'on est là, ils sous notre gueule depuis le début. Mais c'est ce qu'ils essaient de nous faire croire à l'extérieur ! Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Oh l'enculé ! Bah Caro, la petite... Et c'est comme ça que vous me remerciez. Nicole. Et comment vous expliquer qu'on se soit tous évanouis ? Hein ? Oh nom de Dieu ! Oh ce sale fils de pute nous a drogués ! Bon, il cogne un peu, il tire à 14 degrés, c'est vrai, mais... Hé ! Hé, partez pas ! Restez ici ! Vous allez tous nous faire tuer ! Tu vois, ma chérie ? Voilà comment on finit quand on est une sale merde ! Sale merde ! C'est une menteuse ! Tu m'excites quand tu jures, je bande. Wilfred, dis-leur la vérité ! Viens, on y va. Non ! On est une famille ! Me laissez pas tout seul !
s'est passé? Ah, ça fait plaisir de pouvoir parler à quelqu'un. Je commençais à me sentir seul. Je m'appelle Damien. Jean-Michel. Enchanté, Jean-Michel. Je vous présente Wilfried. Dis bonjour, Wilfried. Je dirais que... Pour l'avenir de l'humanité, tu devrais t'abonner à ma chaîne YouTube et lâcher un petit pouce bleu.